Et voilà, bonjour à tous les amis. Donc nous voilà pour un petit flash news pour le mois d'août, fin août de toute façon. Je vais changer un peu le nom, donc on va appeler ça comme ça un flash news. Pardon. Bon, c'est pour vous donner un peu quelques nouvelles sur la chaîne, tout, bah, sur le groupe Caraïsa. Donc on va commencer en premier lieu par le site, version, bon, on va l'appeler version 2 même si c'est un tout nouveau site. Donc, il est en travaux. Là, dans quelques minutes, j'allais rejoindre mon collègue Manu pour en discuter, savoir où il en est parce qu'il travaille dessus. Donc, à ça, vous inquiétez pas, ça se prépare. Deuxième point, pour les lives. Pour info, bah, on va reprendre ça début septembre. Donc, bah, la map, pour ceux qui n'ont pas pu voir le premier live, bah, beaucoup qui n'ont pas vu, bah, normalement, bah, déjà, je vous ferai une vidéo annonce en début de semaine pour le samedi soir. Et la map sera reprise au début parce que je l'ai perdue sur le serveur. Bon, j'ai perdu tout, donc j'ai fait un peu le couillon. Comme d'habitude, de toute façon, c'est moi les fakes, donc voilà. Donc bon, en même temps, ça permettra à ceux qui n'ont pas pu être là de venir nous voir faire la map, hein, mais on est abonnés, tout ça. Donc voilà, je vous tiendrai au courant avec une petite vidéo in-game sur Minecraft, je sais pas trop où, on verra ça. Donc préparez-vous pour le live et j'espère que vous viendrez nombreux. Ça, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant? Troisième point, bon, on va faire un petit point sur les séries. Bah, la principale est toujours Kite One, ça changera pas. Donc, pour l'instant, bah, il n'y aura pas de vidéo tout de suite dessus parce que faut que je continue à hors caméra parce que vous n'avez pas donné d'avis, donc ni en commentaire ni rien. Donc, pour l'instant, bah, je vais faire hors caméra parce que j'ai pas envie de répéter tout en avance rapide. Helio Kite City va revenir pour une version 3 parce que, comme je dis, j'ai perdu la map comme un abruti. Moi, je vais réinviter en premier lieu, je pense, Yugaiko, chacun de leur côté, parce que ce sera mieux, moins qu'ils ne font chacun leur maison dans leur style. Bah, au départ, ne me demandez pas à venir parce que j'ai pas mal de gens de prévu, donc voilà, je vais tout refaire. Pour les aventures multi que j'en série, je pense que maintenant, bah, elles vont être faites en live, comme j'aurai Hardcore de l'Islande pour bah, Naoki, t'inquiète pas, j'oublie pas, mais je vais m'en occuper. Et aussi, bah, je te félicite pour tes remixes. Hein. Pour ceux qui veulent voir, bah, normalement, je mets la plupart de ces mix dans mes playlists, donc j'espère qu'elle apparaîtra. C'est DJ Naoki, moi j'aime bien, donc continue comme ça et n'hésite pas à faire. Donc aussi, bah, il y a la page de Yugeiko aussi, la Team Echo que je devrais participer dans quelques temps. Bah, autre série bah, qui va reprendre, je pense pas aujourd'hui, mais que je vais retourner demain, je devais le faire, mais j'ai eu des petits soucis par rapport à cette vidéo. Au départ, ce que je voulais faire pour cette vidéo-là, c'est de la faire en fond vert, mais malheureusement, j'ai pas le matos qu'il faut, donc on a arrêté ça, et j'ai eu un petit incident pour ma part à ce moment-là qui est un peu. Ah, donc rien de grave, mais ça me fait un petit souci physique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, je regarde un peu sur ma playlist, parce que je viens de voir que ça a changé sur YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Bah, le Snow Challenge, je sais pas, je ne compte pas le reprendre pour le moment. Mais je suis bien tenté par une nouvelle série, un peu style bug, dans l'esprit hack and slash. Bah, c'est du RPG action, quoi, donc comme j'aime bien, donc le RPG action, comme là en ce moment, bah, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai repris Titan Quest. Que je referai, bon, on va peut-être essayer de faire en live sur le live ou peut-être en vidéo Dailymotion, je sais pas encore, faut que je voie. Bon, bah, il y a ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de prévu dans les séries bah, du Kite l'aventurier, pour l'instant, j'ai rien de particulier dessus. Peut-être que bah, la prochaine série Hack and Slash fera partie de Kite l'aventurier, j'en sais rien, faut que je pense, oui, parce que. Ça, après, bon, au niveau série, j'ai rien de spécial. Donc, du Kite et l'évolution du millénaire, la saison 2 que je vais reprendre. Je vais réfléchir à voir pour les mises à jour. Donc, si avec les bugs de map, c'est pas top. Dès qu'on change de version, il y a toujours un souci qui se pose. Bon, à part ça, bah, j'ai rien d'autre. Aussi pour le temps, juste pour dire ceux qui regardent le tournoi, désolé, bah, le tournoi d'Agile reprendra peut-être un jour. Mais il faut que je voie, il y a peut-être à essayer de le faire. Voir s'il a évolué, s'il est en multi, si les joueurs peuvent donner des instructions à leurs soldats, je sais pas trop, donc on regardera ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aventure? Bah, c'est tout au niveau série.
C'est tout ce que j'ai, donc bah là. Kate One, je pense que le prochain épisode des appartements, bah ça sera la déco. Parce que le premier appartement est fait, donc hors de ces caméras, je vais essayer de la faire avancer un peu bah la carcasse. Parce que ça, je vais vous le mettre, je vous le montrerai de temps en temps bah, quand je ferai l'épisode de là où j'en suis, quand je ferai la décoration. Ça, donc voilà. Bon, bah pour le reste, au niveau des vidéos, il n'y a rien de nouveau. Voilà, tout c'est un peu le principal des choses. Bah, pour le reste aussi, bah j'en profite de cette vidéo là pour faire une petite annonce. Parce que on voudrait, Manu, on a discuté, bah, recruter une voix féminine pour la team Karaza TV. Ça ferme pas la porte à d'autres voix après, mais pour l'instant, on voudrait, comme on est déjà deux mecs, donc on voudrait faire un peu, pas une, pas une parité, pourquoi pas plus tard, mais faire un côté un peu différent de la nôtre, quoi. Donc, s'il y a une jeune femme ou femme, hein, ça, il n'y a pas d'âge. Juste petite info, faut que vous ayez au minimum 18 ans. Parce que, comme j'expliquais, bah, je voulais expliquer dans l'autre vidéo, c'est que avec Manu, on voudrait faire des rencontres IRL. Donc, la majorité, un hein, plus pour qu'on se rencontre. Donc, qu'on fasse en même temps, on parle de tout ça et qu'on puisse se rencontrer. Donc voilà, bah pour ceux qui veulent participer, bah faut que vous puissiez créer, bah, si possible, une chaîne sur YouTube ou sur Dailymotion avec, genre, bah, comme moi j'ai Karaza TV-Minecraft, mais si vous voulez voir, bah, il y aura d'autres catégories. Donc là, moi j'ai Karaza TV-Minecraft, il y a du FPS qui est fait par Manu, donc je sais pas hein, comment ça va se passer avec sa chaîne. Donc je pense que pour la personne qui viendra, on fera un choix et la personne qui sera choisie, bah. On en prendra sûrement quelques-unes sur Skype pour parler tous les trois, pour voir un peu ce qui est possible de faire. Donc, il faudra créer une chaîne genre Karaza TV, tirer, si vous aimez les plateformes, ce sera plateforme, si vous aimez le sport, ce sera le sport, si jeu de voiture, bah, ce sera Karaza TV, jeu de voiture, il y a pas mal de possibilités, ou je sais pas, genre un jeu d'action, genre, je sais pas, pas du FPS, mais Pizzemo, il y a plein de mal de trucs, quoi, donc... Voilà, moi je vais peut-être faire un peu de rétro, je sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Donc celle-là sera peut-être une chaîne genre multiple, parce que car le rétro, il y a pas mal de trucs dedans, donc chacun pourra peut-être y mettre sa sauce. On en discutera. Donc il y a ça. Ben, voilà, donc pour ceux qui veulent la jeune femme ou femme, parce que ça dépendra de l'âge, minimum 18 ans, donc pour participer, si possible, bah, le mieux ça sera d'envoyer une vidéo uploadée sur... je sais plus. Bah, un site quoi pour télécharger, enfin Filefront ou le truc qu'il y a souvent en ce moment, mais j'ai plus le nom en tête. Donc, nous uploader une vidéo pour nous expliquer ce que vous voulez faire, bah, une vidéo IRL si possible, comme on voit un peu bah, déjà si vous êtes bien 18 ans, et on demandera si possible une photocopie ou de la carte d'identité. Rassurez-vous, on la gardera pas parce que ça ne servira à rien. Parce que moi j'ai 34 ans et j'ai pas envie d'avoir de soucis, donc voilà. Mon don vous expliquera tout parce qu'on veut au moins avoir la preuve que la personne a bien 18 ans. Donc, je sais pas que j'ai pas confiance dans les gens, mais voilà. Et en même temps, bah, pendant que j'y suis, je viens de voir, je remercie un petit mes abonnés. Un jour que je continue à monter, ça me fait vachement plaisir. Là, je suis passé à 311 et j'ai passé les 70 000. On va peut-être finir par arriver à les 100 000 avant la fin de l'année. Hein. Donc, je remercie et tous mes viewers, tous mes abonnés, et tout, donc les nouveaux, les anciens. Qui me regarde, ça fait plaisir. Bah, j'espère que vous arriverez aussi plus tard à peut-être un peu plus commenter. Hein, donc, si vous avez des idées, donc voilà, faut faire vivre la chaîne. Donc, si vous aimez partager aussi, hein, c'est rien qui vous oblige. De toute façon, dans vos commentaires et tout ça, dans vos flux, il y a de tout. Donc ça, bon, que par ça, niveau Minecraft, rien de spécial à dire. Donc, j'ai fait mon annonce pour la voix féminine. Maintenant. On attendra de voir s'il y a des candidatures. De toute façon, j'essaierai de vous remettre l'adresse Gmail de Caraesa pour vous dire ce qu'il en est. Après, bah, ah aussi, bah, là, je vois, attendez, je vais voir combien j'en suis de vidéos ajoutées. Parce qu'il faut que je guette, parce que. Il faut que j'aille dans mon gestionnaire de vidéos, parce que. Pas ouvert. Ah si, j'aurais pu le voir là. Donc j'ai 191 vidéos, donc on approche de la 200e. Donc je vais essayer de faire une vidéo un peu particulière, un peu spéciale pour faire participer bah, des abonnés, bah, des membres du groupe Minecraftien aussi. Hein, il n'y a pas de souci. Donc
Je vais essayer de créer une map et trouver quelqu'un qui puisse me prêter un serveur au moins pour une soirée ou une après-midi selon ce que j'aurai. Disponibilité pour faire quelque chose de grand. Donc je vais créer une map, genre peut-être je sais pas, un parcours, une course, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Pour qu'il y ait plein de monde qui participe. Bon, il n'y aura pas vraiment de cadeaux, mais c'est histoire de passer un moment tous ensemble. Et nous, bah, je participerai pas parce que je filmerai. Manu, bah, s'il veut filmer, il filmera aussi. Le propriétaire du serveur, on verra avec lui. Donc, on va s'occuper de ça. Moi, je retourne en arrière sur ma chaîne. Voilà. J'aurais pu le voir 191. Bon, bah, il disparaît. Voilà, ma chaîne. Donc ça, j'essaie de préparer un beau petit truc pour les 200. Donc voilà, parce que j'ai encore pas mal de vidéos qui sont prévues, surtout Kaitoan, vous savez, beaucoup de choses. Donc voilà. Bon, bah à part ça, c'est tout. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera du Kite et l'évolution du millénaire. Si possible, bah, je sais pas quand, une annonce pour le live. Donc au niveau de la 200e, bah ça sera une vidéo particulière. C'est tout, voilà. Donc, je sais pas encore exactement le nom et le principe, donc je vais y réfléchir dans la semaine tranquillement et ce week-end. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce Flash News et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!